Coucou tout le monde, cinquième. Non, cinquième. Ouais, cinquième, c'est compté. T'as passé la maternelle. Cinquième épisode de Dreadnought 2. On s'est arrêté dans un village à cause de l'œuf de Semani, je crois. Et on allait trouver d'où est-ce qu'il provenait. Donc, c'est parti. Bonjour mademoiselle. Bienvenue à Kampung Sente. Les taxi-motos ne sont pas en droit d'être ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous aider? Quoi? Les œufs de Semani? Les rituels obscurs? Fais attention avec cette question, ma petite. Il y a des fanatiques par ici. Je veux. Ah oui, j'ai pas le goût de faire la tour, ça doit être par là, faut que j'aille. C'est paisible, mais vraiment. C'est paisible, puis ils mettent une musique louche en arrière, genre. Why not? Je devrais parler aux gens. Mais je suis persuadée, genre, c'est à l'autre bout du monde. Hey, mademoiselle, est-ce que tu veux jouer avec nous? Non? Tu veux me demander à propos du FCN? Non, je sais pas. Demande à l'oncle par là. Je pense qu'on est en train de me faire le coup de demande à l'autre là-bas, maintenant. Et regarde. Cette garde est tellement. Girlfriend material. Écoute, je parle pas aux gens qui pensent qu'ils disent que je suis girlfriend material. Allô, mademoiselle. Quoi? Les œufs de Semani. Je suis désolée, je ne sais pas. Je viens juste d'arriver dans ce village. Fais grandir des poulets. J'élève des poulets. Va demander à la demoiselle par là-bas. Je sais qu'elle sait quelque chose. Écoutez, ils vont tous me faire ça. Je pense que je vais juste continuer. Ok, ils ont des masques. Je suis en train de me dire, me semble qu'ils ont la peau blanche en table. Ouais. Ok, je suis pas la meilleure personne pour parler, mais c'est un détail. Bon, je vais demander à porter la chemin à la dernière personne. Quoi? Parle plus fort! Je ne peux pas t'entendre! Les. C'est Mani, quoi? Ah, les œufs de Semani. Est-ce que je ressemble à un vendeur d'œufs de Semani pour toi? Demande à la vieille folle. Juste en haut du village. Tu vas la trouver là-bas. Les jeunes de nos jours. Toujours occupés avec des choses inutiles. Obsédés avec leur téléphone. Et maintenant. Non, Mambo, Chumbo, non, tiens, j'ai pas compris. J'ai pas la tête, tu sais. Nambo, genre Nambo. Recherche. Bon. On va aller par là. Awas, nyasar, neng. Je vais dire, oh, elle doit t'imprégner. Non, tu ne peux pas. Bien. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Écoute, j'ai un œuf à trouver. Fais-moi pas chier. Je vais aller là. Oh, on va que dalle. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. On est d'accord que c'est le même paysage qui passe en boucle. The fuck? Ouais.
Je vais aller à l'autre chemin. Ah, ça se regarde. Je vais juste par là. Parce que sinon, écoute. Par contre, on voit vraiment pas grand chose. Mais quoi? C'est un bug ou c'est genre fait de même? Mais what? Attendez. J'aurai pas le choix, il faut que j'aille voir parce que je veux bien. Sauf que je vais pas gosser pendant 1000 ans parce que j'ai aucune idée si c'est un bug ou si c'est fait de même. Bon ben, déjà on va allumer une lumière, peut-être voir plus de quoi on est où là. Vraiment, je pense que c'est un bug. Est-ce qu'on va réussir à le contrer? C'est parti. Mais je sais pas, j'ai des équipes, je suis pas la seule personne que ça le fait. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Déjà, on va regarder si... Ah! Ok, non, je suis juste... Je le voyais pas. Tout va bien. Je suis juste aveugle. Oula, ça me prend. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Oula! J'ai cru qu'on voulait pas de toi ici, hein. Ce site de campagne a été fermé il y a des années. À cause d'accidents inexpliqués impliquant des campeurs. Quelques survivants ont acclamé qu'ils étaient suivis par une fumée étrange. Les locales disent ça pour briser les tabous ici. Personnellement, je ne crois pas à ce genre de choses, mais as a ranger, je dois respecter les croyances. Attends, c'est toi qui fais le bordel là? Je peux monter. Genre, j'avais peur de construire 1000 ans en tournant rond et... Gratuitement. Ah non, le site d'où est-ce que je reviens? Attendez. Ah non, c'est pas là d'où est-ce que je... Ça, c'est d'où est-ce que je viens? Ah non, c'est vraiment par la forêt. Eh mais merde. Encore la misère de la forêt qui tourne en rond. Tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Ah voilà. Une sauvegarde. Je prends ça pour... C'est que je suis sur le bon chemin. Oh, c'est une grand-mère. Je pensais que c'était un monsieur, un petit bonhomme. Hmm? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Les œufs de Sémanie? Oui, j'en ai élevé avant. Et j'ai demandé. Mais pas depuis longtemps. Quoi? Ces hommes m'ont traité des vieilles folles. Ces gens, ces fanatiques sont jaloux de la fortune que je me suis fait. Pourquoi tu me demandes à propos de ses yeux? Attends, ton visage, es-tu? Priez Dieu Almighty, tu as envie. C'est moi, Miss Linda. Nini Teti. Maman, ne t'en fais pas, ma chère.
Je sais que tu dois être fatiguée et confuse. Viens, suis-moi jusqu'à ma maison. Ce n'est pas loin d'ici. Madame, c'est louche ces gens qui je ne veux pas qu'ils désirent me suivre jusqu'à leur maison. Ne t'en fais pas, je m'en suis sûre. Viens à l'intérieur de la maison. Mais je suis vraiment fatiguée. Je suis au bord de ma vie. Je suis au bord de ma faim, genre. Oh my god. Vraiment, Linda, faut se mettre au sport. J'ai l'habitude de travailler ici en tant que ta nounou. Mais tu étais trop jeune pour te souvenir. Vous êtes louche, madame. Mais vraiment louche. Oh. J'ai tellement belle comme ta mère. C'est pour ça que je t'ai reconnue. Faites vraiment pas, madame. Tu as la fatiguée. Pourquoi tu ne prendrais pas un peu de sommeil? Nous parlerons après. Ah, oh, et j'ai quasiment oublié. Pour des œuvres que tu as mentionnées. Je vais voir. Non. Finissons la journée. Tu peux dormir dans ma chambre. Ah, mais pique. Ne t'en fais pas, ma chérie. J'essaie de te tuer pas. Tu veux juste là, sa chambre? Ouais. Je suis un peu inquiète. Genre, la vieille dame, j'atroce pas full. J'ai la trousse vraiment pas full. À l'air louche, avec son petit. Tu vas marcher. Oh, ok, non, t'es clairement louche. Moi, oh, tu as tellement grandi dans une belle jeune femme. Je me souviens comment tu étais une petite fille qui adorait jouer à cache-cache. Même le jour, quand la noirceur est arrivée, tu refusais d'arrêter de jouer. Et c'était ce jour-là que j'ai décidé de changer de position parce que je n'ai plus de sang dans les pieds. 19. 20. Prêt, pas prêt? J'y vais.